Ça y est, le mois de décembre a débuté, la première case du calendrier de l'Avent est ouverte et les vacances de Noël commencent à s'organiser. De l'autre côté de la Manche, la famille royale britannique aussi réfléchit à comment elle va célébrer les fêtes de fin d'année, bien évidemment dans le respect du protocole sanitaire. Et ça tombe bien, car Boris Johnson et le gouvernement ont autorisé les réunions de famille, pendant la période du 23 au 27 décembre. Si la reine Elisabeth II et le prince Philippe vont rester à Buckingham Palace exceptionnellement, de son côté, Sarah Ferguson est déjà à l'heure des célébrations. Mais avant tout, elle pense aux enfants. Sur son compte Instagram, la duchesse de York s'est filmée depuis son salon, décorée avec des couronnes, des bougies, à côté d'un sapin de Noël. Et visiblement la duchesse a fait les choses à fond, car on peut aussi apercevoir un nounours, un renne et des ballons de décoration. Mieux encore, Sarah Ferguson porte un chapeau d'elfe de Noël. Une vidéo pour la bonne cause, bien que cette année les vacances de Noël seront différentes à cause de la crise sanitaire, l'ancienne épouse du prince Andrew qui va bientôt devenir grand-mère a adressé un message aux enfants comme quoi ils peuvent rencontrer le Père Noël en vidéo, grâce à Elf News. Pour les filles et les garçons et tout le monde qui est là, les enfants qui sont dehors dans des centres, des hôpitaux et ceux qui vivent une période difficile, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir parler au Père Noël, a-t-elle expliqué. Dans son poste qui va ravir de nombreux enfants et parents, celle que l'on surnomme affectueusement Fergie explique que le Père Noël va streamer et faire découvrir au monde entier la station du grand monsieur à la barbe blanche, via Elf News. Depuis sa maison, il va montrer comment il s'organise pour Noël et aussi il va lire une histoire du soir. Pour assister à tout cela et découvrir 4 épisodes du Père Noël, il faut payer 5,99 livres qui seront remis à l'association Sarah Trust, la fondation de la duchesse qui soutient le personnel médical britannique. Les profits reviendront aussi à l'association Brain Buddies, qui œuvre pour la santé mentale.